Bien, chat! React du trailer de César. Découverte du personnage de César, Mélodie des Sables, Zenless Zone Zero. On est des WBC, il nous faut le trailer japonais. C'est parti. Pas de déprime. Vous prenez de la place, chat. Ah, je reconnais. César Onéchan. Oyoverse. Oh. Rien que là, j'aime la petite transition. Elle appuie. Dong. Et là, c'est le logo. Au lieu de le mettre au tout début. Big Daddy. ピアノ ピアノの嬢ちゃん、待ちくらきたんか?借金こさえて夜逃げだろ?嬢ちゃん、お屋敷に帰んな。おい、無理すんな、お嬢様。郊外に何期待してたか知らねえが、家まで送ってやっても。お。お。ディラーフィルムね。そのピアノっつうの、むずいのか? ça. Je suis intrigué. Jolly. Oh. C'est Bernice? Ah, c'est déjà fini. Oh, punaise. Je vous avoue que j'ai été un petit peu absorbé de ce côté-là. Bon, là, on ne pourra pas dire trailer controversé. J'aime bien ce trailer. Bon, ça montre que Lucie a appris à César. A appris à faire du piano à César. J'aime bien cette partie-là. J'espère qu'on aura. Vraiment, c'est une faction qui m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien, voilà, connaître un petit peu, savoir comment tous ces personnages se sont mis ensemble pour créer le groupe. Parce que voilà, comme il le montre. Enfin, on sait que Lucie. Attendez. Mais c'est Lucie puisque Luciana. Elle a quitté. Genre, c'est une gosse de riche, mais elle a quitté. Elle a fugué. Et j'aimerais bien en savoir plus sur le perso, sur l'histoire du perso. Je pense que ça peut être une histoire intéressante. Et du coup, le. Comment elle s'est liée d'amitié avec César, même si je pense que, bon, là, on le voit directement, hein, c'est César qui a été. Qui a été séduite par. Qui a été séduite par les talents de musique de.
de Lucy. Miao. Je trouve belle en vrai, César en plus. Pour rappel, la voix japonaise de ce personnage, c'est le même perso que Yula ou Misaka Mikoto. Pour ceux qui connaissent. J'aime bien cette image-là. J'aime trop cette image-là. Donc du coup, quand elle lui a appris à faire du piano, elle lui a donné sa veste pour se couvrir, elle a bien écouté et tout. Mais derrière, bon, c'est quand même deux personnages qui, apparemment, se fritent beaucoup, elles ont du mal à se mettre d'accord, mais je pense que c'est, dans tout le groupe, c'est peut-être les deux qui sont les plus proches. On pourrait croire que ça pourrait être Bernice et César, mais non, je pense que c'est César et Lucy qui sont... Voilà. You woo. Donc c'est voilà un trailer que j'aime bien puisque ça montre un aspect du personnage qu'on ne connaissait pas encore. On est d'accord que c'est bien Lucy, hein. C'est l'amitié toxique. Bon, amitié toxique, pour moi c'est autre chose quand même. C'est plus qui aime bien châtie bien. Genre, elle s'aime bien, mais elle se chamaille beaucoup. Bah pour moi, c'est Lucy, puisque elle était déjà adulte. Ou en tout cas, bon. Déjà bien plus âgée que elle. Et les deux ont pas l'air d'avoir beaucoup vieilli par rapport aux versions actuelles. Après, elle peut ressembler à Bernice, mais Bernice aurait beaucoup grandi d'un coup. Après, de toute façon, j'ai juste besoin de regarder. Tac, 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 tac. Même pas. Ils ont même pas. Je voulais regarder cette partie-là. Des fois, ils disent les noms des doubleurs, mais non. Ils l'ont pas mis. Oui, c'est Lucy. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ceux qui regarderont cette VOD sur YouTube. Est-ce que vous aimez bien ce trailer? Cette facette de César? Voilà, dites-moi tout ça. Les PNJ aussi, elles sont belles. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine rediff plus tard.